D'avoir gagné, on est fiers. Vive le Maroc. On est fiers. Je suis en direct. Vraiment. On n'a pas les mots. On est trop contents. On est fiers de notre pays. On est fiers. Le Maroc, c'est le meilleur pays du monde. C'est une fierté depuis 1986. On est c'est énorme ce qui se passe aujourd'hui. Hakimi.
Aujourd'hui, c'est la victoire de tout un peuple. On est tous heureux. Le Maroc s'est qualifié pour la première fois depuis des années. On est tous heureux. C'est pour les frères marocains. Merci aux joueurs qui ont été exceptionnels. Aujourd'hui, c'est un jour plus que spécial. Genre, on n'a jamais vécu ça de notre vie. On est heureux. C'est bien plus que historique. C'est magnifique. Deuxième qualif marocaine. Les gens pensaient qu'on allait finir dernier. On finit premier notre groupe. Et il n'y a pas plus belle joie que ça. Merci aux joueurs. Merci au peuple. Merci à tous les Marocains, merci au roi, à tous les Français, merci au roi aussi. Merci au roi. Merci Malik. Pardon. On gagne. Bah là, le but, c'est déjà de savoir notre prochain adversaire. Et on va voir match par match. Et notre but, c'est d'aller le plus loin possible. Mais en tout cas, notre compétition, elle est déjà réussie. Quoi qu'il arrive, on est fiers nos joueurs, on est fiers de notre peuple. Sur les chances ce soir, explique-moi. Bah clairement pour fêter la victoire du Maroc, c'est une première depuis tant d'années, on a trop souffert. Aujourd'hui c'est un grand jour.
Un très grand c'est jour. C'est un jour historique pour toi? Historique, j'étais même pas né. Là, c'est historique, là je suis heureux. Pourquoi c'est historique? Parce que ça fait... Ça fait depuis 1986 qu'on n'a pas été j'étais même pas né, j'étais même pas né. Ça fait, j'ai 22 ans, ça fait 22 ans que je souffre. Là, aujourd'hui, je suis heureux, là je suis max. Qu'est-ce que tu retiens du match, là, de ce soir? Moi, je retiens la victoire. La victoire. Première mi-temps, c'était bien. Deuxième mi-temps, on a mal joué, mais on a gagné. C'est essentiel, on est premier du groupe. J'espère qu'on va aller loin dans cette Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous souhaitez à votre équipe là, d'aller loin, d'aller jusqu'où? D'aller très loin, j'espère même jusqu'à gagner la Coupe du Monde. J'espère. En France-Maroc, tu serais chaud? En finale, ça serait super. Je suis pour le Maroc, mais je suis un peu pour la France, mais je suis plus pour le Maroc. Même si je suis français, je suis un peu plus pour le Maroc. Pourquoi c'est important de venir sur les champs ce soir et faire la fête? Ça, parce que c'est pas un événement qui se pose tout le temps, c'est rare. Et oui, c'est un jour historique pour nous. Je connais un peu faire la fête pour s'amuser. On est là avec les collègues. À la maison, de gré ou de force, on va battre tout le monde. Pourquoi c'est important d'être sur les champs ce soir? Comment? Pourquoi c'est important pour vous de venir sur les champs ce soir? Ça fait 36 ans qu'on n'est pas sorti des poules. 36 ans, on est une revanche à prendre contre le monde. C'est l'Afrique qui va gagner. C'est un jour historique pour vous. C'est historique. C'est comme la prise de la Bastille pour nous. Vous êtes en train d'apprendre.
Thank you.
pour la télé. C'est pour la télé. Allez, là, vous avez du travail là, voilà. Allez, ça. Pourquoi tu dis dégâts?
dégage. Tu parles à qui? Je suis ton pote, moi. Eh, je suis pas ton pote, moi. Viens me taper, viens me taper. Doucement. Tape-moi. Vas-y, avance. Oh, le métro. C'est plus prudent, vous allez prendre le métro. Vous éviterez de les insulter. Mais toi, tu m'as insulté. Oui.